C'est comme une projection des plus hot trends de 2022, ok? Je suis tellement excitée, j'ai tellement de trucs à essayer avec vous. Puis je veux juste faire une mention spéciale à la YouTuber Amanda Weldon, parce que ça fait déjà un petit bout que je veux faire cette vidéo, mais j'ai fait des recherches, puis comme c'est tellement dur, il y a tellement plein d'informations sur toutes les trends possibles en même temps, puis j'étais comme pas capable de faire une liste concise, genre. Fait que Amanda Weldon, c'est une YouTuber que j'ai trouvée qui a fait exactement ce que j'étais pas capable de faire. Elle s'est basée sur Vogue, YouTube, Harper's Bazaar, Refinery 21 et puis plusieurs autres sites du genre. Donc merci à Amanda Weldon, je vais fortement me baser sur ses recommandations puis les trends qu'elle a trouvé. Mais juste avant de commencer, guys, je veux vous parler du sponsor d'aujourd'hui, ok? Les bijoux Ana Luisa, ok? Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois déjà. Je suis juste tombée en amour avec leurs bijoux. En fait, une des grandes raisons pourquoi, c'est parce que je ne peux plus porter aucun bijou. J'ai la peau hyper sensible, j'ai vraiment beaucoup d'eczéma. Ils ont commencé à m'envoyer des bijoux, puis juste comme je reviens pas. Genre, premièrement, la qualité, je pense que c'est ça en fait, c'est la qualité du bijou fait que ma peau ne réagit pas, parce que techniquement je pourrais porter comme de la vraie or puis de la vraie argent, mais j'ai juste pas l'argent pour acheter genre des bijoux du genre, fait que je portais juste absolument aucun bijou. Mais leurs bijoux sont juste tellement bien faits, de bonne qualité, puis sont pas trop chers, ok? Puis en plus ils ont une vente, en fait je vous parle aujourd'hui de la vente de Saint-Valentin. Je vais vous montrer les bijoux que j'ai choisis, ok? Les petites boucles d'oreilles, en fait c'est comme des hoops, mais c'est pas un anneau rond, ok? C'est comme en forme de goutte. Je vous jure, j'ai jamais vu une forme de hoop comme ça, puis je trouve ça tellement cute. Je trouve tellement que ça fait juste différent. C'est comme, c'est simple, mais c'est juste élevé. Tu comprends? Genre, c'est juste une coche de plus. Même chose pour le collier, une perle. Je suis tellement contente d'avoir ce collier-là, parce que, encore une fois, quand je portais des bijoux, je suis genre à porter tout le temps les mêmes bijoux, puis je portais tout le temps un collier de perles. Puis là, je pouvais plus le porter. Fait que je suis vraiment contente d'en avoir un. Fait que, bref, si jamais vous êtes intéressé de vous faire... Bon, en fait, je dis vous faire un cadeau de Saint-Valentin, parce que je suis récemment célibataire. Donc clairement, j'ai pas de date de Saint-Valentin, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont me faire un cadeau? Puis j'étais là, wait a second girl, t'as pas besoin de quelqu'un pour te faire un cadeau de Saint-Valentin, ok? Je peux moi-même me faire un cadeau. Donc si jamais vous voulez vous payer la traite puis vous acheter un petit bijou pour vous dire que vous vous aimez pour la Saint-Valentin, ben allez voir le site Ana Luisa. Ou bien si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, clairement, genre à votre blonde, à votre chum, si elle aime porter des bijoux du genre, allez sur le site de Ana Luisa. Ils ont tellement des beaux bijoux simples, minimalistes. Moi, c'est vraiment le genre de bijoux que j'aime porter. Je vais mettre le lien dans la bio. Fait qu'allez voir ça si jamais vous voulez supporter mon channel puis vous faire un petit cadeau de Saint-Valentin. Donc, sur ce, on va se lancer dans les trends les plus hot de 2022. Donc, la première trend, c'est les couleurs vives, ok? On en avait déjà parlé dans pas la partie 1, mais dans le fond, j'ai fait ça pour automne 2021, les trends de 2021. Puis, justement, n'importe quelle couleur vive, je pense que le monde a juste besoin de vie après la pandémie, qu'on est juste genre à hiberner pendant 2 ans. Hiberner ou hiverner? Hiberner, hein? Pendant 2 ans de temps. Fait que, ouais, juste les couleurs vives en général. Mais surtout, en fait, c'est quel? C'est le site de le Refinery 21 qui a prédit que la couleur mauve allait être partout. Ok, toutes les teintes de mauve, mais plus en particulier la couleur periwinkle, ok? J'ai fallu que je fasse des recherches comme periwinkle. Je sais pas, c'est apparemment, bon, je savais même pas que c'est une couleur premièrement. Et en fait, c'est comme une espèce de le genre mauve, lavande, lilas, mixé avec genre bleu, ok? J'ai acheté un case de téléphone en fait récemment, puis c'est littéralement cette couleur-là, ok? C'est comme entre le mauve puis le bleu, puis je trouve ça tellement cute, mais moi j'ai porté ça beaucoup pendant l'été, parce que le mauve c'est une de mes couleurs préférées, fait que j'étais comme, comment porter ça en hiver? Parce que clairement on est en hiver pour les prochains genre 14 mois, là. Fait que finalement j'étais allée magasiner, puis j'ai trouvé des items que je vais pouvoir incorporer qui sont de cette couleur-là, genre mauve et periwinkle. En fait, c'est quoi le mot periwinkle en français? Provence! Une fleur, en tout cas, bref. Tout ça pour dire que je vais essayer d'incorporer cette couleur-là un petit peu plus dans ma garde-robe d'hiver, puis ça va être parfait pour le printemps. L'automne, non, le printemps, c'est ça. Ça va être parfait pour le printemps qui va arriver aussi. Fait que je suis vraiment excitée que ce soit une couleur qui s'en vienne plus, parce que c'est juste une de mes couleurs préférées, tout simplement. La deuxième trend qu'on visite aujourd'hui, sérieusement, guys, je suis
tellement excitée pour comme presque toutes les trends, ok? Mais celle-là, c'est les mini skirts, ok? Les mini jupes. Puis en fait, j'étais comme pas vraiment au courant que c'était plus à la mode. Apparemment que ça l'était pas parce que ça arrive à la mode, mais en tout cas, moi, j'ai jamais arrêté d'en acheter. Ma remarque que j'ai quand même arrêté d'en porter, par exemple, dans les dernières années, depuis la COVID, en fait. Parce qu'avant, j'étais tout le temps en jupe et en robe. Puis là, à cause qu'il y a bu nulle part où aller, en fait, je me suis tournée vers les pantalons. Puis de là où vient mon obsession pour les jeans. Mais c'est ça, genre, je continue à acheter des jupes même si je les portais pas. Je pense que ça, ne faites pas ça. Mais en tout cas, les mini-jupes sont à la mode. Et non seulement les mini-jupes, en fait, mais apparemment, les micro mini-jupes, ok? Ta-ta-ta! Oh my god, je vais vous mettre des photos là, de quoi qu'on a vu sur le runway, ok? Parce que là, comment toutes ces modes-là commencent vraiment, genre, des gros designers, puis après ça, genre, les marques vont commencer à en faire. Fait que quand je suis allée magasiner justement pour cette vidéo-là, j'ai cherché une micro mini-jupe pour pouvoir vous en montrer une, puis je n'ai juste pas trouvé nulle part. En fait, le plus proche que j'ai trouvé, c'est. J'en ai essayé une dans la vidéo de la semaine passée. Au garage, j'ai essayé une jupe qui était une mini-jupe taille basse. Je sais pas si ça se qualifie de micro mini-jupe parce que ça a été quand même, ça couvrait quand même bien, mais c'est le plus proche que j'ai trouvé. J'ai hâte pour cette trend là parce que je pense que, en tout cas, s'il y a du monde qui va en porter, je fais clairement partie de ce monde-là parce que j'aime vraiment ça porter des crop tops, j'aime ça montrer mon ventre en général. Fait que je suis quand même vraiment excitée de voir où est-ce que ça s'en va. La trend numéro 3, c'est une trend qui est déjà, qui se passe déjà depuis quelques années, mais qui est encore très fort en 2022 apparemment, et c'est la mode des années 2000, ok? Y2K, et je suis tellement contente parce que je veux pas que ça s'en aille. Clairement, moi, la raison pour laquelle je suis obsédée, c'est parce que genre dans les années 2000, j'avais comme entre, je sais pas moi, genre 6 et genre 12 ans. Fait que là, on aurait dit que je vis mon rêve de petite fille. Fait que je suis vraiment contente que ce soit encore à la mode. Mais plus spécifiquement, un truc qui est ressorti dans toutes les, justement, genre sur Vogue, YouTube, Elle, puis tous ces sites-là, puis ces compagnies-là, c'est les jeans taille basse. Donc encore similaire aux jupes taille basse, ben là, c'est les jeans. Mais pas juste les jeans, mais les pantalons taille basse aussi. Fait que ça non plus, j'ai pas réussi à trouver. Encore une fois, j'étais allée partout, j'ai demandé à toutes les commis, genre, est-ce que vous avez des pantalons taille basse, puis il y en a pas. Puis ça m'énerve parce que genre ça fait au moins un an, ça fait plus qu'un an, ça fait quasiment 2 ans, genre que justement depuis que la mode des années 2000 revient, on aurait dit qu'il y a plein de monde qui sont comme oh my god, les pantalons taille basse vont revenir, puis il y a personne qui veut que ça revienne. Mais moi je veux que ça revienne, puis genre j'attends encore que ça revienne et ça ne revient pas. Genre il y a une paire de pantalons que j'ai acheté il y a comme justement peut-être un an et demi qui était plus taille basse, puis j'étais comme ça y est, ça arrive. Puis finalement genre depuis ce temps-là, ça a juste disparu. Fait que je sais pas si ça va vraiment revenir. J'ai l'impression que je sais soit que le genre on dit que ça va revenir mais que le monde est juste pas prêt à le porter, ou bien que quand même mettons il y a une paire de pantalons qui sort, le monde les achète pas, fait que c'est comme ils en font pas plus. Je sais vraiment pas pourquoi, mais j'attends encore impatiemment. En tout cas, je suis genre une personne sur 1 million, je pense, qui est excitée que la mode des tailles basses revienne. La quatrième trend, c'est la trend des corsets et perles et toutes les affaires. En fait, j'avais déjà entendu parler de ça dans le passé. Je pense que c'est dans les recherches passées pour cette vidéo-là. C'est comme, ça s'appelle l'effet Bridgerton, ok? Fait que c'est comme un show de télé, je l'ai pas encore écouté, fait que no spoilers dans les commentaires. Mais c'est un show de télé vraiment populaire, justement basé sur je sais pas quelle année, parce que je l'ai pas encore écouté. Mais vraiment comme, tu sais, comme les robes à l'ancien temps là, qui portent des corsets pis serre ça, puis justement les perles comme celles que je porte en ce moment, puis juste tous les trucs qui sont très romantiques puis qui nous font penser genre à je sais pas, genre les années, voyons, il faudrait que je fasse une recherche, les années combien? Bon, ça dit les années 1800, seigneur, ok, c'est vraiment loin. Fait que bref, de là, les corsets, puis en fait, ça fait un bout que j'achète des tops de style corset, que ce soit justement un vrai, ben pas un vrai corset, j'ai pas de vrai corset, mais ou que ce soit juste genre une petite camisole, mais qui donne comme l'effet de corsets, j'accumule de plus en plus, puis là apparemment que c'est vraiment genre une trend qui va être de plus en plus forte en 2022, fait que je suis contente d'avoir déjà commencé ma collection. Puis sinon pour ce qui est des perles, comme j'ai dit, ben clairement le collier que je porte en ce moment, dans ma tête encore une fois les perles ça n'a jamais été genre pas à la mode. J'ai vu en fait des sacoches différentes quand j'allais magasiner, dont une au Zara, mais juste des sacoches de perles. Je voulais tellement, il y en a une qui était tellement belle que je voulais l'acheter, mais elle était comme à 70$, fait que j'étais comme pas capable de justifier de l'acheter.
une autre trend, j'ai oublié, on est rendu à quel numéro de trend, mais c'est les bra tops, ok? Fait que c'est comme des tops en brassière, ok? Clairement, les crop tops sont à la mode depuis quelques années maintenant, mais on aurait dit que ça ne fait que genre rapetisser et rapetisser. Puis, ben moi, j'ai pas de problème avec ça parce que, premièrement, justement, j'aime ça porter des crop tops, j'aime ça montrer genre mon ventre. Mais surtout, je pense que je peux en porter parce que j'ai vraiment des petits seins, genre j'ai vraiment pas beaucoup de seins. Fait que peu importe à quel point le top est petit, genre j'ai jamais l'air vulgaire. Fait que ça c'est vraiment un avantage pour moi. Ben en fait n'importe qui peut les porter là, si vous avez un gros buste que vous aimez pas ça, que vous aimez ça porter les crop tops, allez-y. Mais moi j'ai cet avantage là. Fait que c'est ça, les bra tops en fait ce que j'ai vu de plus en plus c'est comme c'est non seulement un crop top mais c'est vraiment genre ça a l'air d'une brassière. Basically genre c'est comme un maillot de bain en fait. Puis encore une fois, ça aussi, quand j'allais magasiner, j'en ai pas trouvé. Ben, j'en ai quelques-uns ici que je vais vous montrer. Mais sinon, j'ai vu un truc sur Internet, comment se créer ses propres bra tops si vous voulez pas aller en acheter ou que vous en trouvez pas, justement. Fait que je vais l'essayer avec vous. On va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que c'est cute? Est-ce que ça en vaut la peine? Alright, donc le truc que j'ai vu sur Internet, ok, dans le fond, c'est que tu prends un top, n'importe quel top. Peut-être, genre, j'ai pris un crop top parce qu'il y a genre moins de tissu, ça va être plus facile. Puis dans le fond, on va juste venir rentrer tout le en dessous dans la brassière, dans le fond, pour essayer de faire ressortir le underwire en dessous de la brassière. Et je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Je sais pas si c'est parce que mon top est trop épais, là. Je vais essayer avec un top différent, peut-être. Alright, je vais l'essayer avec ce top-là parce que je pense que si c'est pour fonctionner, ça va être quand même vraiment cute que, genre, ce soit... C'est que ce soit vraiment court, mais au moins, il y a un col vraiment plus haut. Ouh, est-ce que ça fonctionne? Oh my god, guys, je pense que ça fonctionne. Donc, voici. Honnêtement, je sais pas si j'aime ça sur moi. Je trouve que c'est juste vraiment haut. Pourtant, j'aime ça porter des crop tops, mais genre, je trouve juste que ça fait un petit peu bizarre. Mais l'effet escompté est là. Puis c'est pas si pire, genre, fait que si vous aimez ça, des tops comme ça, ou si justement vous voulez essayer parce que vous savez pas si ça va bien vous aller ou pas, je pense que c'est un bon truc, tant que le chandail est pas trop épais, genre, fait qu'il se rentre facilement dans la brassière. Un autre trend aussi que j'avais mentionné dans la vidéo d'automne 2021, c'est les cutouts. Puis ça, je pense pas que ça s'en va nulle part. Fait que c'est genre dans le fond des trous, n'importe où. C'est quoi le mot que je cherche? Je m'attendrai pas, c'est ça, trop longtemps sur cette trend-là parce que justement j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Mais c'est ça, les cutouts encore juste à plein de places différentes, de plus en plus en fait. On dirait que c'est ça. Bref, c'est ça. Je vous mets des exemples juste ici. Un autre trend que j'avais pas encore entendu parler, c'est des cat suits, ok? Pas des rompers, pas des jumpers, pas des one piece. Ça, c'était déjà, je pense que c'était à la mode il y a peut-être genre 5 ans, plus ou moins 5 ans, disons. Mais là, c'est des cat suits, ok? Fait que c'est vraiment genre moulant, ok? Tout de genre... En fait, quand tu penses à Kim Kardashian, ok? C'est ça, genre des cat suits, ok? Encore une fois, je suis vraiment excitée. C'est sûr que c'est un trend qui expose vraiment beaucoup le corps. En fait, j'en ai un ici, que ben, c'est genre du Fashion Nova, puis c'est plus un pyjama, en fait. Mais là, je pense qu'on va voir de plus en plus ça, comme dans le everyday wear, genre le monde qui vont porter ça pour sortir dans la rue. Fait que ça peut autant aller comme d'un catsuit noir, genre vraiment conservateur puis basic, à genre des patterns vraiment comme floral ou des couleurs complètement flyées. Fait que j'ai bien hâte de voir cette mode-là, genre de voir si le monde va porter ça ou bien si ça va juste comme être plus les célébrités qui vont porter ça, ou bien c'est du monde comme de tous les jours, mais j'ai vraiment hâte parce que je pense que j'aimerais quand même ça, porter des trucs dans ce genre-là. Sinon, juste avant de passer à la catégorie accessoires, je veux juste mentionner quelques autres petites trends. La trend des vêtements gender neutral, fait que c'est comme sans genre. Fait que c'est pas comme, mettons, des jupes, des petits tops genre floral, puis tout le kit, c'est vraiment plus comme féminin. Puis après ça, des vêtements de gars. Mais là, de plus en plus, on voit des vêtements qui ont pas de genre, justement. Fait que j'ai essayé de créer un outfit pour vous, je vais vous le montrer. Je sais pas vraiment, en ce que j'ai essayé de faire avec les trucs que j'ai chez moi. Clairement, moi, je suis vraiment une fille plus qui aime ça s'habiller féminin, fait que j'avais pas vraiment de vêtements genre plus masculins, mais c'est vraiment des vêtements comme baggy, des affaires genre plus loose, puis des trucs dans ce genre-là. Fait qu'on va voir ça de plus en plus en 2022. Puis sinon, une autre affaire qui a été mentionnée dans la vidéo de Amanda Weldon, c'est le beachwear en vêtements. Okay? Fait que c'est des pièces
des maillots de bain, en fait. Des affaires que tu porterais comme à la plage, puis à la piscine, puis tout le kit, mais en vêtements. Ça non plus, je sais pas. Ben, je peux m'imaginer, genre, porter comme des tops de maillots, justement, vu que la trend, c'est vraiment... Il y a une trend qui est des tops, des crop tops vraiment courts. Ben, je suis pas mal sûre que je pourrais porter des maillots. Ou sinon, j'ai des one piece que je pourrais porter, justement, en guise de bodysuit. Mais c'est ça. Fait que c'est une des trends qu'elle a mentionné. Puis là, maintenant, on va se lancer dans les accessoires. Le premier accessoire, guys, c'est des souliers à plateforme. Ok, c'était déjà, ça commence déjà vraiment à être la mode. Mais là, guys, je suis allée en acheter. Oh my god! Parce que j'ai toujours porté des talons. Ok, littéralement, depuis que j'ai 12 ans, je porte des talons, ok? Puis en fait, les talons les plus confortables que j'aime porter, c'est des talons plateforme, justement. Je sais pas pourquoi c'est aussi confortable. Puis j'avais tellement peur, il y a déjà, je sais pas il y a combien d'années, là, c'était comme la mode, oh, j'ai pas d'exemple ici, mais en tout cas, c'était la mode, justement, d'avoir des talons avec une grosse plateforme à l'avant. Puis je me rappelle paniquer parce que je me suis dit, quand la mode va plus être ça, genre, je serais pas capable de retourner à des talons normaux parce que, genre, c'est tellement confortable. Puis là, vraiment, la mode, là, c'est comme... quasiment la plateforme qui est plus haute que le talon, genre. J'ai acheté ces talons-là au Steve Madden, guys, je suis obsédée! Je sais pas encore comment je vais les porter parce que c'est tellement plus chunky, puis normalement, je pose vraiment plus des bottes qui ont l'air un petit peu plus féminin. Fait que j'ai hâte de voir comment que je vais les styler, en fait. Mais je suis vraiment contente que cette mode-là continue, puis arrive, qui continue, genre, de plus en plus en force, en fait. Parce que, justement, c'est juste, genre, j'adore porter des talons. Puis en plus, c'est tellement confortable. Puis en plus, ça pogne même pas l'eau, même en hiver, parce que t'es, genre, même s'il y a, genre, ça d'eau, ton pied ne touche pas à l'eau. Fait que, bref, en tout cas... Un autre accessoire qui est vraiment à la mode, qui va pas vous surprendre, c'est les sacs de couleurs vives, ok? Fait que encore une fois, on s'habille avec des outfits de couleurs vives, donc ça fait du sens que les sacs aussi, puis les accessoires qu'on porte, soient de couleurs vives, mais non seulement les couleurs vives, mais aussi des formes, des shapes de couleurs vives, ok? Je pense que c'est dans le nylon qui ont dit que qui parlait de sacs en forme cylindrique, ok? J'ai essayé d'en trouver, ça non plus j'étais pas capable, mais en tout cas, en gros c'est juste n'importe quel sac qui va soit pas ressembler à un sac ou juste qui va être genre une forme complètement non conventionnelle de ce qu'on voit d'habitude. C'était, je pense, au Aldo accessoire que j'ai vu un sac en forme de genre lipstick. J'ai vu un sac en forme de soulier. C'est tellement drôle, genre. Je sais pas si je dépenserais de l'argent pour un sac qui a l'air de ça parce que, genre, c'est vraiment une occasion spécifique, genre. Puis c'est pas le plus pratique non plus. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des couleurs puis des formes vraiment juste bizarres puis des trucs qu'on n'est pas habitué de voir. L'avant-dernière trend qu'on va visiter aujourd'hui, c'est des ceintures, mais des ceintures en chaîne, ok? Puis, je dois dire que quand j'ai vu ça, ok, les ceintures en chaîne, j'étais comme, oh my god, il me semble qu'on portait ça encore une fois. Ben, tu sais, des trends, c'est cyclique, hein? Fait que ça revient tout. Normalement, c'est genre à chaque 20 ans. Mais il me semble que des ceintures en chaîne, on portait ça, je sais plus il y a combien de temps. Puis, c'était comme tellement plus à la mode. J'étais comme... Je sais pas. Je sais vraiment pas si je m'imagine porter ça, genre. Puis finalement, j'étais allée sur le site de Chanel, puis eux, justement, ils ont comme sorti une chaîne vraiment plus grosse, puis clairement, comme eux, au bout, ils ont comme leur petit signe de Chanel. Puis dans le fond, j'ai trouvé une chaîne sur le site d'Amazon qui était environ dans le même style. C'est le plus proche que je pouvais trouver. Puis je l'ai reçue il y a quelques jours. Je l'ai comme portée déjà sur un de mes posts Instagram, si jamais vous voulez aller me suivre sur Instagram. Mais je suis déjà en amour. Je suis comme fucking vendue. J'ai envie de mettre ça genre sur toutes mes robes. Bizarrement, il y a quelques jours, j'étais comme « What the fuck? C'est tellement bizarre. » Puis là, je suis comme « Ouais, c'est moi genre qui porte ça. Là. Je vais porter ça avant que tout le monde le porte. » Bref, ok, on passe à la dernière trend. Cette trend-là aussi, c'est quelque chose qu'on faisait, oh my god, mais quand j'étais vraiment jeune, ça fait au moins 20 ans. C'est un headscarf, fait que c'est comme pas un bandeau, mais c'est un foulard qu'on met dans les cheveux. Est-ce que vous vous rappelez? Sérieusement? En tout cas, bref, c'est pour dire que j'ai un foulard que je veux essayer avec vous parce que je mets jamais rien dans mes cheveux, ok? J'aime pas ça, mettre des trucs sur ma tête, je m'attache pas les cheveux. Même des chapeaux, j'ai commencé à porter plus des bucket hats, mais je suis comme, c'est tellement cute quand je le porte, mais en fait, il faut l'enlever une fois que t'arrives, puis genre, tu l'enlèves, puis ça l'a tout fucké tes cheveux, genre. Fait que je suis vraiment pas forte sur des accessoires de tête ni rien, mais je me suis dit que j'allais essayer, justement. J'ai trouvé une vidéo, il y a un petit bout, c'est une vidéo TikTok qui montre genre plusieurs différentes façons de porter des foulards. Fait que je vais essayer une de ces techniques-là avec vous, puis on va voir si
si justement ça va finir par m'avoir aussi pour moi, c'est une trend que je ne vais pas adopter en 2022. Alright, donc c'est le temps d'essayer de mettre le flou. Je sais pas s'il est trop grand en fait, je me rends compte qu'il est vraiment grand. Mais ce que j'avais vu sur dans le TikTok, elle le met comme ça, puis elle sort les cheveux d'en avant. Je vais faire deux nœuds et... Hi, seigneur. C'est pas prometteur. Arc, pourquoi j'ai l'air de tout ça? C'est sûr que c'est pas ça qu'elle a fait. Sur mes cheveux, qu'est-ce qui se passe? That is not cute! Ok, je suis retournée voir la vidéo et c'est effectivement comme ça qu'elle attache. C'est juste que genre c'est vraiment laid sur moi. Fait que je vais essayer de l'attacher d'une différente façon. Même si je doute vraiment que ce soit cute de cette façon-là aussi. Là. Donc en gros, elle fait juste tout laisser comme ça. Ah non, c'est sûr que ça ira pas du tout là. Puis elle fait juste l'attacher. J'ai tellement pas une tête pour ça. J'ai tellement une petite tête dans le haut. Il manque de volume. Voici de quoi ça a l'air. Je pense vraiment pas que ça, c'est pour moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, guys, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Clairement, je suis très excitée pour les trends qui s'en viennent pour l'année 2022. Mais je veux savoir, en fait, vous, c'est quoi la trend que vous êtes le plus excitée? Puis la trend que vous êtes genre le plus, que genre for sure, vous voulez même pas essayer, que vous allez pas acheter, que vous redoutez le plus? Parlons-en dans les commentaires. Puis encore une fois, je veux remercier Ana Luisa pour sponsoriser cette vidéo, pour supporter mon channel. Je vous invite justement à aller voir leur spécial, leur vente de Saint-Valentin, puis de vous acheter un petit cadeau à vous ou quelqu'un que vous aimez. Le lien est dans la boîte de description justement. Donc sur ce, guys, je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!